des propos polémiques. Caroline Cayeux, ministre des collectivités territoriales, est dans la tourmente depuis quelques jours. La raison ? Des déclarations datant de 2013 dans lesquelles elle explique que le mariage homosexuel n'était pas simplement un dessein contre la nature, mais aussi une fuite en avant. Le 12 juillet dernier, la ministre expliquait maintenir ses propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais. Je dois vous dire quand même, j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Franchement, si est-il un mauvais procès qu'on me fait, et ça m'a beaucoup contrarié. Je n'ai jamais fait partie de la manif pour tous, je n'ai jamais défilé, que les choses soient claires. Si elle s'est excusée sur Twitter, la ministre des collectivités territoriales est accusée de propos homophobes. Christophe Beaugrand a alors tenu à répondre à la femme politique. Dans une publication Instagram, l'animateur a écrit « Ces gens-là ne sont pas contre nature. Ces gens-là élèvent leurs enfants. Ces gens-là prônent la tolérance. Ces gens-là inspirent positivement la société. Fier d'être hashtag CesGunzilla », a-t-il écrit. Christophe Beaugrand publie un magnifique cliché de sa famille dans sa publication. Christophe Beaugrand a partagé une magnifique photo de lui, avec son compagnon et son fils. Caroline Cayeux a tenté de clore la polémique en présentant une nouvelle fois ses excuses le 14 juillet dernier. Je comprends que ses propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères car ils ne reflètent pas du tout ma pensée, a-t-elle expliqué aux Parisiens. Pas sûr que cette déclaration éteigne le feu. Ils sont désormais nombreux à demander sa démission du gouvernement.